Woup woup, maintenant on est soldat, bienvenue dans Univers 3 de W2K18, déjà troisième épisode. Alors on commence tout de suite avec un match, donc on est toujours à SmackDown, dans un match AJ Styles, Neville, en fait ils sont en tag team cette fois-ci, contre, attention, Jack Gallagher et Zebrian Kendrick. Et donc c'est parti tout de suite, bon choix à tous. Non mais non, ça a changé d'image, y'a plus la caméra. C'est moi qui vais attaquer, je vais me faire Brain. Par contre, est-ce qu'Edge va m'aider? Brian Kendrick qui court dans le vide. Bon, je passe sur Edge et boum! Hurricanrana sur Brian Kendrick. Donc, bizarrement, je commence le match. En fait, je suis en équipe. Moi, j'ai Edge Styles, Neville. Et en fait, ils sont en équipe tous les deux là qui sont en rivalité. Donc, Neville, je rappelle que c'est champion Cruiserweight. Et Edge Styles, c'est le challenger. Et là, Neville, je sais pas, il attaquait comme ça. D'une seule fois. Oh, awesome. On va recommencer le match. Tadam! Style. Par contre, qui commence le match? Oh merde, je crois que c'est Naval. Ok, c'est Naval. J'espère que c'est Naval. Ouais, c'est Naval. Okay. Donc on commence. Naval, la GSIS contre Jack Gallagher. Gentleman Jack Gallagher. Et Brian Kendrick. Par contre, je fais tout de suite la passe à AJ Styles. Oh. Tag team. Nice. Oh, double kick. Moonsault, ça commence fort. C'est bizarre de les voir en team comme ça. Hein. Je sais pas si, genre, à la fin, vu que le jeu est au courant que les deux sont en rivalité, peut-être qu'à la fin, je sais pas, ils vont peut-être se fighter ou. Ça serait marrant, je sais pas, par exemple, que Naval il quitte le match en fait tout simplement, genre il se barre. Et il me laisse tout seul, du coup ça devient un match handicap. Ça serait cool, mais je crois pas que ça soit possible. Enfin, en tout cas, jamais eu, donc je ne sais pas si ça se fait. Mais si ça se fait, ça serait très cool. Oh, je sais pas ce que c'est prise. Mais elle est super. Donc là, vous l'avez deviné, c'est le match que je fais cette semaine. Et je rappelle qu'à chaque semaine, je fais un match. Oh, avec le cran. À chaque semaine, j'ai fait un match et les autres matchs, c'est que les highlights du show en fait. La meilleure. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Je suis en train de le soulever, il se remet au sol. Je croyais qu'il allait faire du coup un hot tag avec Kendrick. Est-ce que peut sauter? Ah non, on peut pas sauter. Et non, on peut pas. Par contre, je croyais avant que Brandon attrape. Et je crois qu'il. Soit c'est parce que j'ai ça, ils y frappent peur, mais je crois que ils sont affaiblis parce que du coup je les ai attaqués avant le match. C'est pour ça qu'ils sont facilement en orange et en jaune. Je crois que j'ai mis le jeu en difficile, pas en légendaire. Parce que légendaire c'était un chouïa trop dur avec les contres en fait. Je crois, je suis même plus sûr. Je vérifie ça tout de suite après le match, au cas où j'aurais merdé. Oh, il m'a contré. Et non, ah non! Ah, c'était un Brainbuster, ok. Mais je fais quoi là? Je le lève alors qu'il se barre? Faire le hot tag, pas chez moi! J'ai dit pas chez moi! Comment je vais sauter dessus, genre en mode vraiment. Mode méchant. Du coup là, je refais un Brainbuster. Là, il a un retour. Vas-y, je vais laisser faire son hot tag. Ah, je pensais l'avoir contré, mais. Et non! Peut-être qu'AJ Styles va venir l'aider. C'est pas très gentil de faire ça, mais bon, merci d'aider ton pote. Même si AJ Styles, ça va, c'est plus un gentil qu'un méchant, du coup. Neville, c'est le méchant. Peut-être qu'à la fin, ils vont changer tous les deux d'attitude. Un seulement. Et en fait, des fois, ça bug. Là, j'ai même plus les étoiles, je sais pas si vous voyez. Enfin, du coup, vous les voyez pas. Mais normalement, il y a les étoiles sur l'écran en haut à droite, comme d'hab. Là, il y a que dalle, je ne sais pas du tout pourquoi. Oh, shoulder star press, nice. On va frapper un petit deuxième, là. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, un 450 splash reverse. Et non, le coup spécial, c'est pas sur... je croyais. Oh, un autre 450 splash! Par contre, c'était quoi son coup spécial à lui?
Ah oui, of course. Ah tiens, du coup j'ai une étoile, ça revient tout seul. D'accord. Du coup là je fais mon petit Red Arrow. 1, 2, 3. Eh bah c'était... Ok, d'habitude normalement il y a une petite scène où il se fight en fait. Mais là, pour une raison que j'ignore, c'était un écran noir. D'accord, pourquoi pas. Tiens, je prends cet objet là qui est tellement cheaté en multijoueur. Que tout le monde fait et tout le monde me casse les couilles avec ça, regarde ça. Boum. Incontrable. Boum. Incontrable. Boum. Incontrable. Boum. Incontrable. Non, on arrête. Bon, vu que le premier match était un peu court, en fait, du coup, j'en fais un autre tout de suite. Donc là, c'était un Backstage Brawl. Vous l'avez vu. Zack Ryder, Mojo Riley. Vas-y, approche, approche. Approche. Boum. T'as fait un trou dans la poubelle. Je peux prendre la mallette ici, ça. J'avais pas pour prendre la mallette. Mais en ligne, quelqu'un m'a frappé avec la mallette. De où il a trouvé une mallette, lui? Oh, oh, il a explosé la table avec un bulldog. Putain, c'était cool, ça. Donc, normalement, je fais vraiment qu'un match et je fais les autres un petit best-of. Mais là, c'est un peu court, du coup, je sais pas si ça va être court. Parce que la dernière fois, en mettant que la fin des matchs, je trouvais que l'épisode était un peu court, c'était même pas 20 minutes. Alors que le but recherché, c'est environ 25 minutes pour un épisode. Et je suis en train de me faire poutrer, là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il bug en plus. Il fait du moonwalk. Et je suis en train de prendre cher. Arrête avec les objets, là. Bon, on a compris que t'avais des objets. Maintenant, t'arrêtes. Tiens. Comment on a dit? Il a dit Mojo Riley. Riley. C'est Mojo Riley. Moi, je sais pas, moi, j'ai dit Mojo. Mojo Riley. Je suis en train de faire mal là. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, il balance contre la télé, bien sûr. Mais bien sûr, mais sois pas con. Mais que fais-tu? J'ai voulu le frapper, en fait, je sais pas, ça fait annuler. Genre, je frappais dans le vide. Bon, du coup, tu m'as saoulé, donc... Attends, mais je balance dans la télé, il veut pas. Ça se trouve, il peut me tuer comme ça facilement, enfin me tuer. Ça va, me tue pas, s'il te plaît, en fait. Hey, il est chaud, en fait. Il est un peu trop chaud, là, je crois, non? Ouais, je crois qu'il est un petit peu trop chaud. C'est pas prévu ça, moi. Non, mais il est sérieux, en fait. Non, mais t'es sérieux, frère? Ah, heureusement que tu bugs, parce que... Heureusement que tu bugs, parce que regarde, dans la télé. Il y avait Oh My God Moment que je pouvais faire ici. C'est quoi le Oh My God Moment? Je vous jure qu'il y avait écrit Oh My God Moment, non? Non, mais c'est pas pareil que je voulais acheter. Vas-y, reviens ici, s'il te plaît. Reviens ici, il y avait... Je vous jure qu'il y avait Oh My God. Vite, ici, au pied. Et non, pas du tout. Enfin, du coup, je sais pas le refaire, en fait. M'arrête! T'es où, là? Voilà, Teru, ok. Bon, je crois que je peux refaire une coup spéciale, ça va pas le tuer. Ok, c'est bon. Alors, maintenant, je sais quoi faire. Vas-y, il m'a saoulé, je fais la technique ultime. Quand les gars me saoulent, je fais ça. Donc là, on va partir. Attends, il est sur le spot. Tiens, qui a interview? C'est Sin Cara. Et il a peur de moi. Avec René, ils ont peur de moi. Bon, par contre, je crois qu'il va mettre une heure à venir. Oh, le mec de la sécu, il a peur de moi. Non, mais sérieux. Mec, quand tu sers, t'as peur de moi. Par contre, j'ai plus d'endurance. Hein. Le temps que j'arrive là-bas en marchant, il va réussir à remonter. Ah non, il s'arrête. Ok. On voit la double cam, là, il s'arrête. Je sais pas pourquoi. Bon, j'hésite. Est-ce que je fais un truc sur la voiture ou un truc sur le haut du camion? Parce que... Je sais pas s'il a finisher voiture. On va tester. Si t'as finisher voiture, vas-y pour la voiture. Viens par là. Et me contre. Oh non. Ouf. J'ai cru que j'étais mort. Bon, on va éviter alors. On va éviter la voiture, je vais partir d'ici.
Il a fait mal son coup spécial sur, enfin son finisher sur le sol. Non mais. Non, stop. Mais non. Et comment il me met cher là en fait? Non mais là, s'il me fait son finisher, je suis mort là. Ouais, peux-tu m'aider en fait? Non, je suis pas hype. Ian, hype? Non, s'il te plaît. Fais pas le con. Mais pourquoi j'arrive pas du tout à le contrer? Le gars de la sécurité est parti là-bas derrière la vitre. Je suis mort. Et non, je ne suis pas mort. Non mais c'est bon là, j'ai fait une prise, il me chope en plein vol. Je suis en train de rager parce qu'il va... Il va m'avoir là. Hop, le coup de couille. Peux-tu arrêter? Voilà, lance-moi. Oh. Non, j'ai cru que j'étais dead. Mais c'est chaud là, tu peux arrêter s'il te plaît. T'as le mec, il est vachement hype hein. Ah tiens, il est bloqué, vite, il est bloqué, relève-toi, il est bloqué. Ah merde, j'étais comme ça. Ah, je voulais pas du tout faire ça. Pourtant, il était qu'en jaune-orange. Moi, j'étais en rouge, mais à faire finisher, c'était bon. Je voulais le jeter du camion. Tant pis, ça ne se fera pas. Juste pour le fun. Oh, il y a un mec à gauche là-bas. Ah, c'est le gars qu'on voit dans ma carrière, je crois. Juste pour le fun, j'ai relancé le match. De toute façon, ça changera rien. À la ou déroulant du show, j'ai toujours plus perdu. Oh, boum, bim, Zack Ryder, winner encore, il a carrément tué Mojo Rawley ici. Le troisième match de la soirée, c'est Paige versus Natalia. Oh, et elle arrive pour... ah, c'est toute seule. Je n'ai absolument pas touché à ça. Ah bah, faut que je mette en me battre, faut que moi j'étais Paige en fait. Oh, j'ai réussi à l'avoir. Ok, c'est pas du tout prévu. En fait, si je faisais rien, m'attaquer. Mais je me suis mis en mode attaque, vu que là, sinon je faisais mon entraîneur mode sur le ring. Donc, du coup, est-ce que le match peut se terminer sur la rampe et pas dans le ring? Je ne sais pas, on va voir. On va enchaîner le coup spécial de Natalia. Attention, le... Paige, je ne sais trop quoi. Paige Turner, voilà. Je sais qu'elle met son nom dans tous ses nouvelles. Qu'à faire avec son finisher tout de suite. Hein. Le PTO, Page Tap Out. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est le Rampage. Ok, et bah du coup, bah voilà, ça termine le match tout de suite. Il a même pas commencé en fait. Parce que si tu montes sur le ring, ça peut lancer le match en fait. Mais vu que là on est resté à l'extérieur du ring, le match a jamais commencé. Oh, bah, attends, c'est moi qui ai géré. Attends, je mets KO Natalia et c'est elle qui me frappe. Je crois que c'est un léger bug du jeu là. C'est pas censé se passer comme ça. Du coup, Paige a perdu des places dans le classement en plus. What the fuck? Je ne comprends pas. Prochain match. Le Shield. Roman Reigns. Seth Rollins. Dean Ambrose. Versus The New Day. Bon, j'ai fait moi-même les tenues du Shield. Et je trouve pas ça ouf en fait. Ça rend très mal, j'ai l'impression. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça cool ou pas. The New Day. Là, du coup, j'ai remis les tenues classiques. Mais à eux, ça va leur voir très bien vu que c'est les tenues officielles. Et j'ai pas dû changer rien, quoi que ce soit. New Day Rocks. Attention, le Shield qui se prépare là, ils se mettent en groupe. Ils vont attaquer là, je le sens. Oh, Superman Punch! Oh oui! Ouh! Wow. Oh, attention, Classic Shield! J'aime bien, c'est que les deux autres à côté, ils ne bougent pas. Et c'est la triple powerbomb du Shield sur Big E en plein match, en plein début de match. Oh, powerbomb! Big E est mort. Au revoir. Du coup, je peux faire le tomber direct. Je pense que ça sera pas suffisant, bien sûr. Mais j'aime bien qu'ils ont pas du tout bougé. Eh, c'est stylé ça. C'est quoi? Non. Eh, j'ai jamais fait ça à 3.
J'ai comment le faire à deux, mais c'est le Oh My God Moment de Moodema à 3 du coup. Dans le coin. Eh, c'est trop stylé, ok. Je savais même pas du tout qu'il y avait ça. J'aurais su, j'aurais essayé de le faire. Mais là, il se fait tout seul. Et au moins, rien ce qui prend cher. C'est très stylé. Alors, merci d'avoir mis ça. C'est super. Quand je voulais le faire à 2 en fait. Mais pas à 3. Donc, du coup, ils ont fait le tour. Tiens. Par contre, le jeu lag à mort. Hein. C'est pas vous, votre écran ou quoi. C'est le jeu qui lag. Hein. Ok, ils sont vraiment chauds. Alors, Midnight Express. Mais en fait, je peux rien faire parce que le jeu lag tellement. Oh, nice. Le high kick. Le high knee plutôt. Je ne sais pas du tout c'est quoi le nom de cette prise. Dis-moi que c'est bon. Oui, ouf. Putain, ce match est interminable. Le pauvre Roman Reigns qui a souffert durant ce match. Ah non, on a rien quand ce bug. Regardez, je ne touche à rien. Pourquoi Roman Reigns il se frappe dans le vide? Il a frappé Seth Rollins. What the fuck, il a frappé Seth Rollins. Le shield fait son retour, ils sont déjà finis. Le prochain match est un table match. Triple threat, donc à 3. Moi je joue Rousseff. Nanananananana. Pas possible, voilà. Voilà, quand je dis pas possible. Pas possible. Vite avant que Titus revienne. C'est par là. Non, Titus, c'est pas chier. En plus, il me contre. Super. Ah, puis c'est lui qui va mettre sur la table. Ah, ça c'est sûr. Ah, comment il a volé la victoire là. Ah non, mais s'il te plaît. Non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais pas comme ça. Pas comme ça. Non, pas aujourd'hui, pas maintenant. Bon bah, Titus Sunny, vainqueur. Let's go! Final Continuer Match, Sami Zayn contre Jinder Mahal, champion WWE. Et bah tiens, Jinder, il fait pas de temps. Il perd pas de temps, pardon. Il prend sa chaise tout de suite. Par contre, Sami Zayn s'en bat les couilles, donc je vais continuer de marcher pour poursuivre. Même pas sa casquette ou quoi. ok, bah par contre, tu veux peut-être. Mais non, je passe au travers! C'est cheaté! Voilà, plus de casquette! Et bah, Sami va emmener ça dans le public. Ça va être chaud. Je suis un peu refroidi là. Oh, mais Jinder qui récupère encore une chaise. Il adore les chaises! Boum! Oh, nice! Le coup de genou en plus, il a fait signer aussi. J'ai un bel faire passer à travers la table. Ça serait assez cool pour me venger du match de table que j'ai perdu juste avant en plus. Par contre, je sais même pas comment on fait une finisher de table en fait. Et finalement, peut-être pas. Qui s'est réveillé. Oh non, 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 fais pas ça frère. Fais pas ça, faut pas battre le champion par soumission quand même. Je comptais même pas le mettre un match de pay-per-view, mais s'il gagne contre Jinder, c'est mort. Ah, je serais obligé de le mettre du coup. Oh, 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 non, je rigolais. Oh, il avait la tête en gris. What the fuck? Ok, Sami Zayn était beaucoup trop chaud pour moi. J'ai pas compris là. Moi là-bas, je comptais faire un match genre Jinder, Kurt Angle, Braun Strowman pour le titre. Mais si Sami Zayn bat. Je sais pas quoi faire. Pour l'instant, je sais pas quoi faire. Le main event de SmackDown cette semaine, c'est deux challengers en 1 contre 1 simple. Braun Strowman contre Kurt Angle. Je suis Kurt Angle. Oh, quoi? Mais il a pas de contre. Comment il a pu me balancer? Le mec, il joue en auto-win en fait. Il a pas de contre. Comment il a pu me balancer de. Il a pu me balancer comme ça. Une seule solution pour Braun. Faut enlever les straps. Voilà, faut enlever les bretelles de la tenue. Là, c'est bon, là, je peux le niquer là, comme je veux. Là on peut enchaîner là. Là on peut l'enchaîner là. Voilà, là il me contre plus là. Là c'est du beau combat. Dès que t'enlèves les bretelles, de toute façon c'est fini. Le combat il est fini, c'est tout. On manquerait plus que Braun enlève lui-même ses bretelles. Là je serais fini aussi, mais. C'est pas le cas, il a pas enlevé ses bretelles. Voilà, il aurait dû enlever ses bretelles. Je sais pas si bien, mais il aurait dû. Oh oui, Angle Slam! Magnifique. 1, 2.
Ah non, seulement 2, t'es sérieux? Eh, je pensais vraiment que c'était bon, j'ai presque 4 étoiles de match là. Ok, là c'est peut-être la fin là. C'est peut-être la fin pour Kurt. Faudrait vraiment faire un moonsault là. Je crois en toi là. Il va tenter de tomber. Oh, mais je vais te faire un revolt sinon je perdais le match. Bon, j'aurais pu faire sur le troisième mais j'ai peur de louper. Oh oui, il a compris. Et je crois avoir compris un truc. C'est que le moonsault c'est un coup spécial. Oh, moonsault, est-ce que ça va être suffisant pour battre Braun? Yes! J'ai l'impression que c'était limite limite, mais yes, j'ai réussi. Kurt Angle a battu Braun Strowman dans un putain de match solo. Presque 5 étoiles, ça valait le coup. Ah, dès que j'ai enlevé les bretelles, c'était à la fin du match là. Les German Suplex, le Angle Slam. Bon, lui par contre, il a failli me mettre KO plusieurs fois, mais j'ai réussi. Avec ce magnifique moonsault, en plus avec la petite vrille, vu qu'il n'était pas en face du poteau. Et ah, il a remis les bretelles. Non, mais non, mais non. Enlève les bretelles. Non, c'est pas... Bon, c'est pas grave. On enchaîne avec le ankle lock parce qu'il m'a énervé là. D'habitude, je fais pas ça, mais. Parce qu'en plus, Kurt Angle, c'est un gentil, mais. Il m'a énervé avec ses. Il m'a énervé avec ses contres et tout. C'est auto-contre, voilà. Ça, c'est une bonne fin de. J'ai encore pas perdu. De show, c'est une bonne fin de show. Voilà, fini. Fini, ok? Et ceci finit pour cette vidéo. Merci de vous abonner pour voir la suite. Ciao tout le monde, Soldier out. Oui, très bien. Abonnez-vous à Soldier AS la vie. Si t'as aimé la vidéo, maintenant tu peux laisser un like. Si t'as aimé la vidéo, maintenant tu peux t'abonner. C'est la vie!